Salut tout le monde, c'est Marvin Defect et aujourd'hui on va tester une nouveauté de Sterling by Music Man, la Dark Ray. Alors la Dark Ray, c'est une collaboration du coup entre Music Man et Dark Glass. Donc on va avoir une lutherie de Stingray avec un corps en yato qui est proche de l'acajou, un manche en érable torréfié et une touche en ébène, et une électronique Dark Glass avec le préampli Dark Glass et surtout une distorsion alpha et une fuzz oméga de chez Dark Glass. Donc, au niveau des réglages, on va retrouver, c'est super simple, on va avoir le volume général de la basse ici, le préampli Dark Glass avec les aigus et les graves, et ici le sélecteur pour mettre en route l'alpha oméga. Donc, tout à droite, j'ai pas d'effet, simplement le son de la basse en direct. Au milieu, j'ai la distorsion alpha avec un niveau de gain et un mix entre le son clair et le son saturé. Et tout à gauche, la fuzz du coup oméga avec les mêmes réglages, un niveau de gain et un mix entre le son clair et le son saturé. On va essayer ça du coup en slap, au doigt, et puis après on testera du coup les deux sons, le son alpha et le son oméga pour les saturations. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, le son est super cool pour le jeu au doigt ou le jeu au slap. On reconnaît bien le grain de la Stingray avec ce côté un peu mordant, hyper agressif, beaucoup de basse, beaucoup de rondeur, ça c'est vraiment super cool. J'ai un tout petit peu boosté les aigus et les graves pour le son en slap, sinon j'étais tout à plat après pour le son au doigt. On va maintenant essayer pour le coup le son saturé et on commence avec la disto du alpha. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ces deux sons saturés? Eh ben que c'est cool. La disto alpha, donc le bouton rouge, va vraiment avoir ce côté hyper moderne, hyper agressif, assez rentre dedans pour le coup. C'est bien pour les métalleux, ceux qui veulent attaquer un peu au médiator, c'est vraiment l'esprit, ça c'est cool. Bien penser du coup à jouer avec le mix, parce que le mix va permettre de récupérer un peu de gros son du son de la Stingray. Et puis pour la fuzz, donc l'oméga, quand ça passe en bleu, on va avoir ce côté beaucoup plus gras. Énormément de gains, c'est très saturé, c'est un peu plus crade, les fans de Stoner pourront aussi s'en servir en jouant sur l'égalisation de la basse. Donc pour conclure, eh ben on peut dire que cette basse est une vraie réussite. Tous ceux qui cherchent une basse Music Man Stingray vraiment typée avec un budget forcément moins élevé que la Music Man, ça marche super bien, on a un vrai grain de Stingray, un vrai confort de jeu, super facile à jouer, avec ce grain typique. Et puis ceux qui cherchent un son un peu plus agressif, plus moderne, vont vraiment être super contents avec la disto intégrée. Le préampli Dark Glass marche hyper bien, donc c'est vraiment un super mariage des deux.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de faire quelque chose de très simple et assez rapide pour voir un petit peu tous les sons de la basse. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez voir d'autres instruments, voilà, on pourra faire une vidéo dessus. Abonnez-vous à la chaîne. Les modèles Stingray, du coup, d'Argray sont disponibles sur notre site et en magasin. Et puis à bientôt!